Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il fait au moins moins 8000. Bon, ça caille, il fait 4 degrés. On est en plein mois de décembre. Et là, l'objectif, c'est de pêcher doucement, finement, pour essayer de prendre du centre de la perche. Bon, du brochet, je vais éviter parce que je suis en 28 centièmes. Et puis, au retour, on essaiera de pêcher au big bait pour essayer de déclencher des pikes. C'est bien aussi d'emmener parfois deux cannes pour justement s'adapter à différentes techniques. Là, je vois que les péniches fument, c'est-à-dire qu'ils ont allumé un feu ou quelque chose comme ça. Du coup, elles vont chauffer l'eau en dessous et ça peut attirer des poissons. Allez, on va aller voir ça. C'est parti, on va commencer par le Noike Bubble Shad que je vous avais déjà présenté à l'époque. Cette petite cochonnerie là, on va essayer ça en texan bien évidemment parce qu'il y a des obstacles. Et on va mettre un peu d'attractant et c'est parti. Allez, let's go. Ok les gens, je viens de voir une chasse de pike juste ici. Juste ici, il y a un pike qui est remonté. 70, je vais essayer de le faire. Par contre, je vais mettre la canne big bait parce que si je mets la canne là, je vais me faire couper, c'est sûr. C'était beau, mais on sait où il est. Ah, il a sauté dans les trucs là, magnifique. Allez, je vais prendre la canne big bait rapidement. C'est ça, vous voyez, d'avoir deux cannes, c'est essentiel, surtout dans cette saison où on sait pas vraiment trop sur quoi ils sont encore. C'est vraiment essentiel. Mais là, je l'ai bien vu que l'eau est ultra claire. Je l'ai vu sortir, c'était magnifique. Donc, vous savez quoi, je prends le Noike Wobble, mais en 7.5. Voilà, avec une armature classique, shallow. Un petit screwing dot en dessous. Et ça pêche. Allez, on va essayer juste là. Hop, on va faire un truc comme ça. Et on va laisser descendre doucement. On va voir s'il va pas taper à la descente. Fish ! Voilà, je l'ai. C'est bon, je vous avais dit. Oh, c'est beau. C'est un beau fish. Voilà, à la descente. Yes ! Oh, le malin ! Je vous avais dit que je l'avais vu. Ah, c'est un beau poisson. Ça fait 70. Non. Ah, c'est un beau petit poisson. C'est un beau poisson. Ah voilà. Beau poisson qu'on va les remettre à l'eau. Ça fait plaisir, franchement. Premier lancer, les gens. Premier lancer, premier poisson. Ça sent une bonne journée. Allez, on va le release. Allez, je vais passer avec la petite taille du Wobble. Qu'est-ce que j'ai fait du poisson avec ça? C'est un truc de ouf. Allez, un petit peu d'attractant, hein, même s'il a des, je crois qu'il a déjà d'attractant, je crois, je sais même plus d'ailleurs. Bref, on s'en fout. Là, en partant vraiment de large et oh, il y a du blanc là, il y a gavé de blanc. Je viens d'en toucher, je sais pas combien. Allez, big bait, comme d'hab, on commence au big bait, on descend par un mesure de taille, commencer gros, partir petit. Allez, vous rappelez de cette zone, je l'avais passé au dipper, j'avais fait un poisson. On va essayer de réitérer le truc. C'est juste à côté de cette péniche là. Je suis sûr qu'il y a moyen de prendre un poisson. J'aimerais bien un gros cendre. Genre 1m02.
Oh, raté. Bon, je viens de rater un poisson, j'ai une belle touche. Il m'a poussé le leurre. Il m'a vraiment poussé le leurre. Il y a une belle petite touche là. Ouais. Il est pas. Je sais pas, il a dû pousser le leurre, je sais pas ce qu'il a fait. Oh, c'est quoi ça? Mais non! Théma! Oh, truc de ouf! Fim, ça fait pas longtemps qu'il est mort. Hein. Il a dû mourir cette nuit. Oh, truc de ouf, mec. T'as vu ça? Oh, il est énorme. Je sais pas comment il est mort. On dirait qu'il dort. Ah non, là. C'est ouf, ça. Vachement je le montre. Bon, c'est un truc, c'est un peu. Oh, petit pike, ok. Tout petit pike qui vient de m'attaquer là, juste là. Je sais pas si vous l'avez vu, vers là-bas là. Il est trop gros pour toi cette proie, poteau. Bon, je vais faire un spot marqué là. Vous voyez, il y a des arbres dans l'eau là-bas. Je vais essayer de faire ce spot avec le Wobble 7.5. Vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez vu le pike? Il l'avait engamé. Vous l'avez vu ce pike là juste devant? Oh, cette action. Superbe. C'est vraiment fou ces pikes. Vous voyez, spot marqué, je ramène tout doucement. Et je remonte pas tout de suite. Parce que souvent ils suivent. Et au bord, tu vois, ils font une virgule et s'en vont. Là, j'ai dandiné. Et pan! Et ça, c'est un réflexe que vous devez avoir. C'est comme ceux qui sont en bateau qui font un figure 8. Figure 8, bon, on va pas faire un figure 8 non plus parce qu'on n'est pas en bateau, mais ne serait-ce que de dandiner au bord, ça peut permettre aussi à un poisson de venir attraper, un poisson qui suivait, de venir attraper votre leurre et potentiellement de faire une touche. Non! Ah! Non! Raté. J'ai raté un poisson.
Et voilà, cette session est terminée. Regardez-moi cette balave de ouf là à cause de la GoPro. Beau gosse. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Pas beaucoup de poissons malheureusement, beaucoup de ratés. Big bait. Tu vois, j'étais venu à la base pour pêcher au ver. J'ai oublié les vers à la maison, forcément. Je me suis mis au big bait suite aux poissons que j'ai vu et la chasse que j'ai vue. J'ai eu beaucoup de chasse aujourd'hui. Beaucoup de suivi, des petits poissons. J'étais en 7x5. Donc finalement, assez grosse proie quand même. C'est pas big bait, mais c'est assez grosse proie. Pas de perche, j'ai pas vu de perche, j'ai pas vu de sang. J'ai essayé de gratter un petit peu, mais voilà. C'était pas vraiment en mode grattage, comme on dit. Où sont les basses? Alors là, c'est une bonne question, vu qu'on a vu marre de voir les basses sur ma chaîne. Mais du coup, on les trouve plus. Donc c'est peut-être à cause de vous. Salut GoPro. Et du coup, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. C'est aussi ça l'hiver. C'est de savoir s'adapter au moment présent et aux proies que veulent les poissons, les leurs. Et du coup, c'est pour ça que je vous conseille de prendre deux cannes. Une canne light et une canne un peu plus forte pour pouvoir pallier à toutes circonstances. Notamment le fait que parfois les poissons changent de proie ou de taille de proie. Donc c'est très important. Voilà. Alors, en tout cas, ça me fait plaisir de parler avec vous tout le temps, de faire des vidéos. Bientôt les 100 000 abonnés. On aura déjà les 100 000 abonnés quand je fais cette vidéo, je sais pas. Mais en tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Ça fait vraiment très très plaisir, toujours. On avance ensemble, on grandit ensemble et on essaie de faire du lourd. Allez les gens, je vous souhaite une très bonne pêche, une très bonne continuation. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous connaissez la musique.